Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Wars, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve sur The Wolf Among Us. Pourquoi il n'y a pas eu plus de vidéos, vous pourriez me demander, et vous auriez raison de le faire. Eh bien la raison est très simple. Premièrement, tout le mois de janvier j'ai été super malade, mais genre vraiment malade. Ce qui a fait que j'ai rien pu enregistrer, j'avais plus de voix, j'étais mort, enfin c'était l'enfer. Et c'est resté comme ça pendant à peu près 3 semaines. Puis ensuite, j'ai recommencé les enregistrements. Et surtout, j'ai mis en place certains des épisodes qui devaient sortir et qui n'étaient pas sortis parce que j'étais malade et je ne pouvais pas bosser. Problème est que je ne sais pas pour quelle raison OBS a décidé de ne pas enregistrer le son des vidéos. Ce qui fait que du coup, bah, j'avais enregistré un épisode d'Outlast et un épisode de Wolf Among Us. Et j'ai pas de son sur la vidéo. Enfin, j'ai le son de ma voix, mais pas le son du jeu. Ce qui... on va pas se... Enfin, je suis certain que vous détestez tous ma voix. Donc voilà, ça aurait été quand même plutôt pas mal d'avoir... d'avoir... le son du jeu avec. Mais bon, c'est pas grave. C'est plus grave pour Outlast, parce que je sais pas trop comment je vais faire pour reprendre ma pendant cette sauvegarde. Mais pour The Wolf Among Us, on va repartir dans le passé. Enfin, en tout cas, je vais repartir dans le passé. Et revenir sur le moment où on s'est arrêté. Où donc, on allait arrêter Ichabod Crane, qui s'était réfugié au Pudding Empire, pour on ne sait quelle raison. J'y crois. Donc nous y revoilà, on arrive au Pudding Empire après tout le bordel qui s'est passé donc à chercher. That's Crane's car. Voilà, on a retrouvé Crane. Et c'est le moment de régler nos comptes. No, it's nothing you need to concern yourself with. I don't think so at least. Shit. Hold on. Oh, do you miss the spot? Mr. Clean, come to smash up the rest of my place. Si tu demandes poliment. Oh, I see. Come to audition, you bitch. Where's Crane? Ichabod Crane? What would that nerd have with a place like this? Tell me what you know now. Bah, il est juste derrière, du coup. Merci. Tête de con. Hey, you can't just go in there. Vas-y, essaie de m'arrêter. We have a problem. Tell me who did it! Just tell me who did it! I know you know! Mr. Crane, please, she can't help- I know you know what the plan is! I won't be held accountable for this! I can't! I'm sorry, I- You both know what's going on, just tell me! Don't move, Crane. You're under arrest. Oh my god, Bigby, I had nothing to do with this! I didn't do anything, I promise you, I didn't do anything! Mm-hmm. These girls, the girls, they'll back me up, I just have to get this- Ah oui, j'avais oublié l'anneau. Because of that spell, but once this ring gets through, I'll know what's going on, and this whole thing will be over. That's all, please. Nope. I'm innocent, completely innocent. Le truc marche pas. Just let me show you. The ring won't work. Greenleaf sold you out. What? No, this will work. I assure you, it must. I went to you. Damn you, come on, please. I got the power. You killed her. My lips are sealed. Wow. That's cool. How many years? What? How many years has this been going on? Too many. But I didn't kill those women, Bigby. Please, I had nothing to do with that. Oh, God. You screwed up, Crane. Bigby, Sheriff, listen. The amount of evidence I have, the town wouldn't bat an eye if I were to throw you down the witching well tonight. Please, Sheriff, I'm telling you the truth when I say that I did not kill that woman. Bigby? Hmm? I don't think he did it. What? Look at him. Do you really think this man murdered these women? Il y a trop de preuves. He's not... C'est bizarre. He wouldn't be brave enough.
not to put his stamp on the world like that. He's a disgusting coward, not a murderer. Thank you, my dear. Ta gueule. It means so much. We've been chasing this guy. Just, why now? Because, look at him. You said you found evidence of him defrauding Fable Town, of using our money for his own ambitions. That's one thing. But don't you have doubts he's a murderer? We've both known him for so long. I can't believe I'm hearing this. Did you see how he was acting when you showed up? Oui, yes, I know how this. Why would he even come here if he wasn't covering his tracks? Pour essayer de trouver la vérité. Knows more than he's saying. Il sait plus. I don't. Yes, okay, he probably does. But there's a difference between being involved and being the guy who did it. Je dois me ranger de la vie de... But if Crane didn't kill Faith and Lily, I'm sorry, but who the hell did? C'est bien plus you know, gros when que I saw lui. You come back here, this whole thing is bigger than Crane. He wouldn't have the stones to send the Tweedles after me. Somebody else is involved. Well, shit. I didn't intend for any of this to get so... You've been stealing money from Fable Town for years, haven't you? Yeah. Mm. We're not gonna kill you, so quit your shivering. Think about Crane, you are under arrest for the misappropriation of Fable Town funds. You have the right to counsel, the right to depose witnesses. But as of right now, you're coming with us. Get the fuck up. Now. I guess we know who's in charge, Sheriff. Bah oui. Sometimes it's fuzzy. You think you have what it takes to run that office? You think I didn't make sacrifices? I made sacrifices. And you won't be in that chair 1 minute before you have to give up something you care about just so the wheels don't fall off the goddamn wagon. I did the best I could with what I had. And the town took everything it could out of me. If I maybe took a little something back in return... Better save your energy, huh? You're going away for a long time. Allez. Le mec, même, il me sort, j'ai fait des sacrifices, c'était horrible, mon dieu. Mais c'est la politique, mon gars, hein. On n'a jamais dit que la politique, ça devait être un boulot simple. Ou tu te la coupes douce. Au contraire, même, d'ailleurs. La notion de sacrifice, elle est ultra importante hein, dans la notion de gouvernement. À part Chirac. Chirac, lui, c'est étrange. Stupid girls and their preposterous schemes. What are you saying? T'as déjà pas appris qu'il fallait fermer ta gueule, hein? Quelque chose me dit que c'est pas les renforts. Vous avez des Tweedles. Hi, what you got there? Une nouvelle. Look, it's recently come under our attention that you're, how shall I put this, attempting to claim what is the personal property of the Crooked Man. He's about yay high, 120 odd pounds. Pissed his sheets until he was 14. Sound familiar? Mon frère? I haven't told him anything. Not now, not now. Shh. The grown-ups are talking. If I were you, I'd get out of the way. No, 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 no. That's not how this works. How this works is you are going to walk Crane over here. Like a good doggy. It wasn't my fault. Shut up. You're interfering with official Fable Town business. Step aside. Tweedledee, what's the, you know, that thing the Mundys call me? What? My nickname.
You know what I'm talking about. Bloody Mary, that's it. Thank you. And do you know why they call me that? Because some of them, they think it's funny to have their little sleepovers and go into their little bathrooms and say my name 5 times in the mirror. They find it less funny when I actually show up and feed their lungs to the family dog. And I do that for a hobby. Like golf, to relax. You can fuck off if you think you're getting him. I told you he'd never just give him up. Je commence à... Je pense que je vais la défoncer, celle-là, s'il faut vraiment que je la tue. Fuck it. C'est de la triche! Oh, regarde-moi cette tête de con, hein. Bigby? Just a flesh wound. Ouch. Ouch. Laisser la bête sortir. Allô. L'électricité. T'as fait une connerie, toi. Allez. Allez, strike. Oui, bon, bah t'as bougé aussi. Est-ce qu'on le tue ou pas? Réponse est non. Je vais sûrement être impopulaire pour cette décision, mais au passage, c'était quoi cette tête là qu'il a fait, Twiddledum? Les yeux sont devenus blancs. Mais j'expliquerai cette décision plus tard. C'est pas du jeu. It just didn't know when to end. Hey, t'as piqué ça à Freddy, toi. You know, you didn't think silver bullets would work on anything but a pure werewolf. But as it turns out, it's just gonna be the case. Alors ça, vous voyez, c'est script. Je peux right, pas. Wolfie? Je peux pas gagner ce passage-là. I mean, hey, look. I know it sounds ridiculous, but really, guys. Oh, puis merde, j'ai coupé la tête. Can you argue with these results? Because I know I can't. Die, you bitch! Wait! Stop! Just. Take him, okay? Take Crane. Ouais, c'est ça, tu pouvais lui faire une montagne à la connasse. Just stop, please. Yeah, I don't know. Snow, don't do this.
Tonight's your lucky day, kid. Crooked Man says it's okay with him. It's A-okay, buddy. Hello, Ichabod. Got a stomach ache? C'est le moment où je plains Ichabod, parce que là, il faut vraiment se chier dessus. Allez, sois courageux, Ichabod. Oh, and just between us girls, Crane ain't no killer. I mean, look at his face. Couldn't stick a pig if his life depended. Kinda like your boyfriend here. Too pussy to ruin a Tweedle's day. Well, this is gonna be a beautiful relationship we have with you guys. Really, I mean it. I'm jazzed about it. Out with the old, in with the new. Long live the queen. I'm sure we'll be in touch. See you around. Putain, mais t'es bavard, toi, hein? C'est problématique. He's lucky to be alive, and he won't be next time if he keeps going like this. This is getting worse by the minute. We don't have time to sit around and wait for their next move. I'll get things under control. Woody, I'm not gonna tell you again. Back off, dog. This doesn't concern you. What'd you want to talk about? I just wanted to, about last night. After what they did to you, are you even gonna be able to stop them? Don't hold out on me, Jack. You've always got some angle. Not this time. I know when a mark's not worth the trouble. Do you? Don't make me come down there to deal with you. I don't want it. You don't want it. Then again, you don't have much choice at this point, do you? Alors, du coup, blablabla, non, on a décidé de pas interrompre Snow, ok, est-ce que j'ai fait un deal avec Jack? J'ai refusé le deal avec Jack, parce que moi je fais pas de deal. Flycatcher, on lui a offert un job, parce que, oui, mais en même temps, qui n'offrirait pas un job à Flycatcher, quoi? Est-ce qu'on a cramé l'arbre de Greenleaf? C'était complètement con, hein, ce qu'elle ordonnait, Blanche-Neige. Elle avait complètement perdu la tête, là, c'était... est-ce que vous avez tué Tweedledum? Alors là, je crois que c'est un peu 50-50. Je vais expliquer pourquoi j'ai pas tué Tweedledum. C'est très simple. Faut partir du principe que les... Enfin, dans l'univers de Fabletown, les fables sont pas très nombreuses. Il y a déjà énormément de fables qui sont mortes dans la chute du monde des fables. Et les fables sont un petit peu... Bah déjà, un, pas très nombreux, deux, un peu en voie d'extinction, enfin c'est un peu la merde pour eux. Donc, et en plus, avec les meurtres qu'il y a eu, t'as genre eu déjà deux fables qui sont mortes en plus, je considère que ça fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas envie de rajouter Tweedledum dedans, j'ai pas envie de tuer une autre fable, en sachant plus que Tweedledum n'est pas foncièrement méchant, c'est juste un homme de main, c'est-à-dire que les... Ok, il doit être... Pardon, il doit être jugé, mais tué. Je suis même pas certain que Tweedledum ait tué qui que ce soit, donc c'est pour ça que j'ai refusé de buter Tweedledum, parce que là c'était juste du meurtre gratuit, et on est les représentants de la loi et de la justice, et on ne tue pas gratuitement. On tue seulement que si on est demandé par un officier supérieur. Du coup, c'est la fin de cet épisode, qui a été, ma foi, court, mais très intéressant. Bon, j'avoue que j'ai été pas trop non plus... j'étais pas ultra surpris par tout ce qui se passait, déjà parce que je l'ai déjà fait cet épisode, hein, vu que c'est
c'est un re-record pour moi. Mais en plus, c'est voilà, la révélation comme quoi Crane n'est pas le meurtrier. J'étais déjà en train de soupçonner que c'était le cas. Parce que c'était trop facile. Ça m'avait plus l'air d'être quelqu'un qui essayait de faire pression sur Crane pour pouvoir faire en sorte que Crane lui verse de l'argent. Donc en l'occurrence, je pense que c'est Crooked Man qui a fait pression et probablement ordonné les morts de Faith et de Lily. Par contre, pourquoi, c'est la grande question. Peut-être quelque chose encore avec... ça doit avoir un rapport avec du chantage quelconque. Bref, on verra ça dans l'épisode prochain qui sera la semaine prochaine. Où on va probablement réaffronter les forces du Crooked Man et donc Bloody Mary. Qui, je prie de pouvoir la buter parce que cette pute me casse les couilles déjà. Mais donc, ne vous en faites pas. Les épisodes vont s'enchaîner cette fois-ci. Et je ferai très attention à éviter de tout foirer. Sur ce, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. Ciao !